Salut YouTube, on est toujours sur Alien Isolation et on est dans la merde. Principalement parce qu'il y a des androïdes qui sont en train de se pointer suite à une convocation et un raffut qui va pas du tout amener notre ami à quatre pattes. Allez, tire-toi. On commence dans un placard, ce qui est un bon résumé de ce scénar. Alors du coup l'objectif c'est de retourner... D'accord, ainsi que ça, comme on reprend ça. Ça a l'air ok. Il ne devrait plus être le cas dans les minutes à venir. Ça met nous ça. Dis-moi que ça me rapproche de mon objectif et pas que ça m'éloigne. Ça m'éloigne complètement, c'est de la merde. It is de la merde. Et t'as l'alarme, bah oui. Heureusement qu'il pense pas à regarder. Heureusement qu'il pense pas à regarder les caméras, c'est con. C'était bien par là. Calmez-vous les alarmes. Ça fait bip et ça fait poète. Ça fait bip et ça fait poète dans ma direction. Je reste par là, c'est très bien. Là, il y en a un autre côté. Et bah c'est super. Si je passe par l'autre côté, j'aurais peut-être plus de chances de pouvoir les voir de loin et de savoir un petit peu où me placer pour les éviter. C'est une idée comme ça, c'est probablement une mauvaise idée. Fichtre! Je dirais même bigre, est-ce que j'ai bien pensé à remettre l'enregistrement sur YouTube? Oui. Encore complètement con. Bah après, je suppose qu'il va y avoir des passages où il va y avoir les androïdes plus l'alien qui vont se pointer, ça va être génial. Et... Oui, en effet, détecteur de mouvement, s'il ne move pas. Ça ne va pas. Restez là. Avant qu'il se passe. Bonjour Jerrican, comment que ça va mon choix? T'es venu m'apporter du soutien moral, je te comprends. Dans la vision d'ensemble, chaque détail a des importances. Il y a les petits slogans qui nous donnent en plus. J'ai mon réconfort, j'ai John Z avec moi. Mais par contre, si tu pouvais arrêter de me mettre des coups de tête dans la main, je serais reconnaissant. Ouais.
Et que les druides, là j'ai l'impression que oui. En vrai, je sais pas ce qu'il va y avoir des humains, on a déjà rencontré des humains, ça s'était pas très bien passé. Oh putain, je l'ai pas vu. Oui, Jerry 4, qu'est-ce qui se passe? T'as eu ta dose de croquettes pour aujourd'hui? Tu es en mal d'affection, je te vois. Je marche à pas de loup. On les conduit. On va passer par les communications. Communication centrale. Accès réservé aux employés de Sixon. Mais toi, tu seras pas obligé de te retourner, c'est pas nécessaire. Ouais. C'est pas facile tous les jours, les vies de couple, surtout pour Jerrican. Bah ouais. Oh putain, il est là, lui. Quel roi de l'infiltration. Bon, bah, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'on peut? Même l'ascenseur, quand il s'arrête, fait des bruits dramatiques. Il peut pas juste faire ding ding. Faut qu'il fasse tchou. Tout droit. Dans le tunnel. Pas mal. Espérons que Jackie l'alien n'ait pas la même idée que moi. Donc DS le passage. C'est bizarre, là. Alors, ça va être un droïde. Est-ce qu'on avait une pointe de sauvegarde dans le coin? Ouais, là-bas. Alors, je passe par là, par là. Si tout est bien, on est très heureux. Enfin, en général, qui dit grosse bavouille, dit Bah pourquoi tu flippes? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y avait l'autre qui était en train à moitié de dégueuler par la trappe. Il est là, trop tard. Il devait être dans le coin parce qu'on l'attendait à se déplacer à les tuyaux et il y avait
Ennemi proche. Comment ça, ennemi proche? Bon, bah on va devoir essayer de passer devant tous les droïdes qu'on a croisés tout à l'heure. J'étais en mode oui, bonjour. Oh putain, je l'avais pas vu. Ah, c'est un cul-de-sac. Non, non, c'est pas moi. Ah putain de sa mère. Yeah, la bonne blague. Ça va, je... Tout va bien. Genre, est-ce qu'on a mis du kit? Non. Avec ma clé molette, c'est peut-être plus efficace qu'avec les balles. Putain, mais il est dans les tuyaux, cet enfoiré. Des signaux, mais je sais pas où, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on met bien dans notre placard? En plus, du coup, on peut pas se tourner. Pourquoi je joue à ça? Pourquoi je joue? Bah oui, là t'es un peu crevé, hein. Je te connaissais même pas. Ça pipe pas loin. Bon, allez, on va tenter la sortie. Y'a un mec là-bas. Okay. Vu comment il se déplace, ça c'est l'alien. Pas trop pour tourner, je crois. Putain, mais le truc qui fait des bip random. Ouais, alors fait du boucan pour se cacher. Est-ce que si je le prends par surprise, je peux le one shot?
Oui, il y a des bruits. Il y a beaucoup trop de bruits. On reconnaît toujours un lambda. C'est sûr qu'avec vos gueules de cake, on n'a pas de mal à vous reconnaître. Comment ça, j'admire sa pureté? C'est quoi ce succès que je viens de débloquer? J'ai débloqué avec ce succès qui s'appelle J'admire sa pureté. Quelque chose ne va pas. Et là. Passe-toi, vieux connard. Comptons sur vous pour prendre part au voyage. Je sais pas si. Ouais, c'est. Je pense que. Putain de merde! Tu me vois pas, je suis pas là. Tous les représentants commerciaux doivent se présenter au syndicat le plus proche. Si tu me. Si mes sphincters commencent à se relâcher, ça va surtout faire. Si je ne le regarde pas, il ne me voit pas. D'accord, en fait, sur le style, je pense qu'il a les yeux rouges. Là, il est deux, absolument. Je mise tout là-dessus. Mais barre-toi, par contre, casse-toi. Je vais te sortir à rejoindre, moi. Je vais devoir y jeter un œil. Non, non, c'est pas moi. Fuck. Mais du coup, j'ai dû attirer Jackie. Les zones à traverser, il va y avoir l'autre. C'est pas moi, je suis pas là, je suis pas là, je vous ai dit, c'est pas moi. Oh putain de jeu. Emprunter le transit vers un tour de 6 mètres, mais moi ce que je sais c'est que le transit était bien facilité là. Ah mais putain, mais non mais pas vite. Il y a l'affreux dans le coin. Here is the main killer. Je suis le Cuisac Adérac. C'est pas le bon univers, mais je m'en fous. Point de sauvegarde. Je vous avoue que là, je suis un peu tendu. Après le détecteur, ça aide un petit peu à se sentir rassuré, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, je pense. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Ah, mais il y a du monde.
Pour l'anecdote, quand j'étais petit, j'avais un jeu sur Amiga acheté par mon frère et mon père qui s'appelait Alien Breed Tower Assault, avec du gros pixel art bien dégueulasse, mais ça m'a empêché de dormir pendant des jours ce jeu-là. Donc autant dire que là, avec des graphismes un tout petit poil plus réalistes, Cristobal et Sixon Synthetics. Le mec est hyper calme. T'es... Ripley, Taylor est par ici. C'est toi, Ripley. Ah, désolé, meuf, hein. T'as pas l'air d'aller bien. Reposez-vous, Taylor. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur radio. Et si la... Et si la créature vous attaque, bah... Ça fera plus à manger pour elle. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. C'est quoi ce bordel, encore une fois? Restez avec moi. Ripley va aller chercher. Non, Ripley va chercher les couches. Les Ripley va les vomir. Les bips, c'est les deux autres. Il n'y a pas de temps à perdre, Ripley. Me parle pas comme si t'étais un maître. Avec lui, hein. Il t'aime bien, du coup. Hein. Verrouillé. Ouais, c'est une anecdote de qualité, je sais. Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Je cherche un... Je vous entends pas. Attendez. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Ça, c'est très gentil. Ça a l'air. Allez, venez! On n'a pas de temps à perdre. Allez. Le stress au maître. À zéro. Entrez dans la maison médicale sans Cristobal, qui vous attendra plus loin. Allez, ça avait l'air d'être... Ça avait l'air d'être plutôt sympa jusqu'à ce qu'on tombe sur un airlock. Et là, je me suis dit, tiens, ça va être la merde, forcément. Oubliez la porte, les marshals ont tout verrouillé. Passez par le conduit d'aération. Bah bien sûr. Pourquoi pas? Doucement, je vais fermer le conduit derrière vous. C'est juste au cas où. Juste... Oui, juste au cas où. Et on sait que dans la technique du « je ferme le conduit derrière toi », c'est toujours une bonne technique dans Alien. Ah mais tu fais du boucan, Jacqueline, c'est un truc de ma boule. Heure de visite, 10h-13h et 15h-19h. La fibre
faire. Porte. Et... On n'est pas vraiment sous notre meilleur jour. Je vois. Il y a un agent. Je suis Coleman. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. Bien sûr. Comment ça, vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Oui, écoutez, t'as deux jambes, t'as deux bras, vas-y. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Puis je mourrai. Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Morley, son nom ne m'inspire pas trop confiance. Il y a un marqueur de point de sauvegarde. Raté par empressement. Il va complètement. Je suis passé devant, j'ai Morley quoi. Je ne préfère pas savoir. Hop, c'est sauvegardé. C'est très bien. Trouver le bureau de Morley. Psychiatrique quoi. Ah, c'est rigolo ça. J'en voudrais un. Et ben voilà ce que je vais faire avec la tonne d'argent que YouTube et Twitch vont me donner quand Ouais, ben je vais m'acheter avec mon propre thune. Hein. Lui, c'est son qui encore re sauvegarder. Private rooms. Ouais. Suivre mon détecteur objectif. Pas d'urgence. Tout simplement. Allez, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas? Oui, il faut qu'on travaille en équipe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester tranquillement posé dans mon coin. Putain, mais s'il y a un facehugger, je vais même chier dessus. Continuez. Dans la zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables, ceux qui souffraient de troubles d'adaptation à l'espace lointain. Dis-moi juste où aller. Les cas tragiques. Vous ne tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. Ouais, ils ont l'air de plus être là. Hein. Ils ont complètement l'air de plus être là. J'ai peu d'être mis sur la touche, Morley. Vous m'entendez? J'ai voulu utiliser le dispensaire aujourd'hui. Et je me suis retrouvé enfermé. On ne peut pas attendre de moi que je remplisse mes obligations si Lingard et vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire.
Ça ne mettrait pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous. C'est ça. C'est dans ce qu'on voit. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Coleman terminé. Vous y êtes, c'est le bureau de Morlaix. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. Les jetons de poker. La carte pour se cacher comme un cache. Presque à court de médoc. Docteur Lingard, il nous faut plus de stock de stimulants ici. On commence vraiment à être à court et avec Kuhlmann qui est distribué comme des bonbons, ça n'aide pas. Les historiques montrent qu'il s'est rendu au dispensaire 16 fois cette semaine. Il faut qu'on commence à rationner les médicaments. Les habitants de Sébastopol vont en avoir besoin de plus en plus au fur et à mesure que sa fermeture approche. Pourrions toucher à deux mots à Kuhlmann, histoire de savoir où vont toutes ces prescriptions. Ça tombe sur un vieux junkie. Quarantaine d'hôpital. Vous avez trouvé le code ? Mise en quarantaine dans la maison médicale San Cristobal. Entrée d'âge et soins. Trouvez-le. Entrée et étage des soins primaires désormais réservés au Marshall ainsi qu'au personnel d'encadrement en mot de passe universel 1702. Violation de la quarantaine du centre médical détecté. Attention, détendez-vous, violation je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Merde. Youpi. Donc lui, blablabla, mot de passe, 15 minutes, système effectué analyse, tu connais la quarantaine. Mais pour le pire, le report d'armes nous a suivis jusque dans l'espace colonial. Seul vulnérable et à des années-lumière de la police, qui pouvait priver les voyageurs d'un moyen de défendre leur peau, leurs voyageurs et leur famille. Le revers de la médaille s'illustre avec Sébastopol où les agressions à main armée sont monnaie courante. À force de tourner en rond dans un recoin oublié de l'espace, les gens sont abattus et découragés. Ils pouvaient se permettre de partir, en fait, il y a des lustres, laissant ainsi leurs amis et voisins au milieu des boutiques vides, des systèmes grinçants et des rêves oubliés de boom économique de l'espace lointain. Les habitants de Sébastopol se sentent dupés et appâtés qu'ils furent par des sociétés qui ont refusé d'admettre que la bulle de l'espace lointain était sur le point d'imploser. La colère et le désespoir liantes, ils se désunissent de plus en plus. Seuls les restants. Mesures drastiques prises par les Marshall face au marché noir n'ont fait qu'alimenter leur ressentiment. Chaque jour un peu plus. La station paraît sur le point de tomber en chute libre. Qui dit violation de sécurité dit ramper. Oh putain, il est là. Ah putain. Bute-le, non, tu ne peux pas. Attaque ! Oui, bien sûr. Il est vulnérable à la crée au je te crois. T'es pas aussi confiant en tes capacités. Eh, j'ai vu les flims, hein. Pars-toi. Thank you.
bah je crois que je vais mourir. Bah je crois que je suis mort. Et c'est tout. Ah. Ça va, je vis bien. Je sens que j'ai pas trop dormi cette nuit, moi. Câlin et bisous. Et souvent dans le cas de l'alien, c'est le bisou qui fait mal. Bon, je pense qu'il va falloir essayer de passer un petit peu plus vite. On ne peut pas attendre de moi toujours en plus. C'est ça. C'est dans ce couloir. Vous me privez de mes privilèges d'accès. Certains de mes patients vont rechuter sans médicaments. Surtout quand la station est dans une situation aussi précaire. Je n'admettrai pas que le soin de mes patients en pâtisse. Considérez-vous comme formellement averti. Et pour info, c'est pas moi qui ai un problème. Vous y êtes, c'est le bureau de Morley. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. Qu'est-ce que j'ai fait à vous écouter? Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley l'a gardée toujours sur lui. Trouvez-le. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, violation de la quarantaine. Détendez-vous! Tout va bien! Merde. Oh, la belle prise! Ah, j'avoue qu'il est beau aussi. J'ai dû partir. Là, c'est... Une épaisse combinaison spatiale. Elle s'offre à vous. Vous la mettez. Vous êtes séparés du monde. Vous entendez le son casse. C'était quoi le mot de passe, putain? je crois. Non. C'est là. Y'a pas un truc pour relire les mots de passe, évidemment. Ce serait trop simple. J'avais presque bon. Si Rebirth sort demain, c'est même pas la peine. Oh putain. Vas-y, ouvre pas les placards. Ouvre pas les placards. Ouvre pas les placards. Ouvre pas les placards.
Va en arrière. Mais moi, je t'écoute pas, toi. Y'a personne. Bon, il m'a vu là quand même. Avec un peu de chance, il va chercher dans notre placard. Déconne pas, Jackie. Il est un peu con. Jean-Michel serre les fesses. C'est certainement le frère de Raoul. Relâche tes sphincters par accident. Non, non, non. C'est pas moi, y'a personne. Non, bip pas. Don't bip. Il a pas pu mieux faire en jeu de recherche, non, ça c'est. Ah putain, il est là. Ah, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas pu mieux faire en regardant les alentours. Surprise! Oui, mauvaise surprise. Chut. Discrétion. Allez, c'est pas trop chier. Je pense que c'est pas son problème principal. Il faut partir par l'autre coursive. Qu'on va espérer. Hein. Mmh.
retire ce que j'ai dit. Il est juste là. Il est là. Bien sûr qu'il est là. Et la musique, elle me fait flipper. C'est merde ton truc qui vibre. J'espère que tu sais pas ouvrir les portes. J'espère vraiment que tu sais pas ouvrir les portes. Tu peux pas jouer à Dora ou autre chose. Si, je voudrais bien là. Pas loin. Et qui a du plaisir à jouer à ce jeu? Ben, je ne sais pas. Je peux voir un petit peu mieux où ils se déplacent. Il va vite un peu ce con. J'ai tout misé sur le fait qu'il ait déjà fouillé ce placard et qu'il dise c'est bon, y'a rien. C'est pas moi. C'est pas moi qui a fait bip bip. Oui, c'est ça mon objectif à peu près. Ça a l'air dégagé. Comment ça, bip bip bip? Je sais qu'il y a des ennemis proches. Je sais que c'est une mauvaise idée. Je veux dire que c'est comment au truc de l'autre connard là. Ah putain, il est là. Ah putain. Ah. Salut. J'ai comme une sensation chaude dans le bas du ventre, plutôt vers l'arrière. Je pense que ça a rempli mon slip. Pas grave, j'avais une sauvegarde genre il y a 3 secondes pour me faire bouffer encore mieux. Vous cacher n'est jamais qu'une solution temporaire sans deck. Ça vaut tout être ridicule du monde. Putain mais... Évidemment juste où je ressors du placard ça recommence à biper hein. Thank you.
tout dans cet univers de merde fait des bips dans tous les sens. Je dois retourner par là, c'est ça ? C'est pas moi. Pardon, je suis désolé, Ripley. Tu ne peux pas me laisser entrer avec cette chose dans le coin. Allez au diable, Kelman. Oui, bah non, ça passera pas. Ça ne sert à rien. Je crois que c'est la zone d'où tu t'es enfui, il y a une couloir qui va vers là où tu veux, mais bien sûr, c'est un sketch. On passe de faire une petite pause. Là, je suis un petit peu émotionné. Bisous YouTube, on se retrouvera prochainement.